des enfants, Renan? Oui. Je suppose que vous êtes les élèves de Jean-Michel. Oui. Alors, levez les mains ceux qui sont ou ont été les élèves de Jean-Michel. Ah, oui, quand même. En fait, je vais vous dire quelque chose à vous. Et croyez-moi, vous y repenserez dans quelques années. Parce que je vais simplement vous dire que je suis persuadée que Jean-Michel, vous ne l'oublierez jamais parce que, vous savez, dans la vie, il y a des personnes qu'on rencontre, qui sont passionnées, qui sont extraordinaires et qu'on garde toujours dans son cœur. Voilà, et je vais simplement vous dire ça. Vous verrez dans quelques années. Non pas que je sois bien vieille, c'est vrai, mais on a toujours des petits souvenirs comme ça d'enfance qui sont précieux. Et ce qui est vrai, nous, on a la chance, en tant qu'interprète, artiste, auteur, compositeur, de chanter tes textes, Jean-Michel, parce que, en fait, tu peux aussi bien parler de choses de la vie quotidienne, ouais. Comme ce texte qu'on a composé sur Rosemary, ta belle-sœur qui vit en Italie, mais aussi sur des thèmes un peu plus sensibles, un peu plus délicats. Et justement, je pense à une histoire, celle de Syriac et Yoya. Ouais. Ce texte, tu l'as écrit après avoir vu à la télévision un reportage sur deux mannequins, l'un se nommant Syriac, l'autre Yoya. Et Syriac est tombé follement amoureux de Yoya, une jeune Yougoslave, sourde depuis l'âge de 9 ans. Et comme Syriac ne connaissait pas le langage des sourds et muets, il a inventé son langage. En fait, chaque pression sur telle ou telle partie de son corps correspond à un son, ce qui permet à Yoya de comprendre ce que veut lui dire Syriac. Et cette chanson est dédiée à tous ceux qui vivent un amour différent et qui font de cet handicap une force d'amour à toute épreuve. Say you are there.